Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session du Learn and Play. Je suis ravie de vous retrouver pour travailler, chanter et danser. Mais si les enfants savent ce que c'est la tête. Les enfants, est-ce que vous savez ce qu'est la tête? Oui ou non? Ben tu vois, il y en a qui savent. D'accord. D'autres ne le savent pas. Et qu'est-ce que tu suggères alors? Tu proposes qu'on apprenne les parties du corps aux enfants? Oui, on peut faire ça. Super! Oh! C'est parti! Répète après moi. Qu'est-ce que c'est? En anglais, eyes. En français, les yeux. Qu'est-ce que c'est? En anglais, nose. En français, le nez. Qu'est-ce que c'est? En anglais, mouth. En français, la bouche. Qu'est-ce que c'est? En anglais, teeth. En français, les dents. Qu'est-ce que c'est? En anglais, chin. En français, le menton. Qu'est-ce que c'est? En anglais, ears. En français, les oreilles. Voyons maintenant les parties du corps. Qu'est-ce que c'est? En anglais, neck. En français, le cou. Qu'est-ce que c'est? En anglais, shoulders. En français, les épaules. Qu'est-ce que c'est? En anglais, arm. En français, le bras. Qu'est-ce que c'est? En anglais, fingers. En français, les doigts. Qu'est-ce que c'est? En anglais, knees. En français, les genoux. Qu'est-ce que c'est? En anglais, feet. En français, les pieds. Bravo les enfants, vous avez très bien travaillé. Mais je vais vous proposer un deuxième exercice encore plus difficile. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Oui! Super! Alors, c'est parti! Cette fois, on va de ce côté. Allez! Peux-tu nommer ces parties du corps? Les cheveux. Les yeux. Le nez. La bouche. Les épaules. La main. Le genou. Le pied. Il va falloir qu'on arrête là. Les enfants sont revenus. Oui, oui, ils nous regardent là. Allez, stop. Et bravo à vous les enfants. Ah oui, on a regardé votre exercice et c'était super. Est-ce que maintenant, vous vous pensez capable de faire un troisième exercice? Oui? Vraiment? Est-ce que vous en êtes sûr? Très bien, très bien, très bien. Allons-y.
Alors, dans cet exercice-là, il va falloir retrouver ce qui appartient au visage et ce qui appartient au corps. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y dans ce cas. Allons-y les enfants. Mais oui, je sais que vous pourrez le faire. Mais oui, allons-y. Peux-tu m'aider à placer les images sur la bonne feuille? Commençons par la bouche et les dents. Où va cette image? Est-ce que la bouche va sur le corps? Ou est-ce que la bouche va sur le visage? Mais oui, bien sûr, la bouche va sur le visage. Autour de l'épaule. Où va cette épaule? Va-t-elle sur le corps ou plutôt sur le visage? Eh oui, c'est ça. L'épaule va sur le corps. Voyons maintenant où va cet œil. Sur le visage ou sur le corps? Eh oui, encore trouvé. L'œil va sur le visage. Alors, nous avons deux mains, une ici et l'autre là. Mais où peuvent donc bien aller ces mains? Sur le corps. Nous avons ensuite le cou. Le cou va sur le corps. Maintenant, place aux cheveux qui vont avec le visage. Cette partie, c'est le genou. Où va le genou? Bravo! Le genou est une partie du corps. Et maintenant, autour du nez. Où va le nez? Eh oui, le nez va sur le visage. Les yeux vont sur le visage. Nous avons eu les deux mains au départ. Nous avons maintenant une main. Où va la main? Eh oui, la main va sur le corps. Il nous reste donc le pied et l'oreille. Est-ce que le pied va sur le visage? Ou est-ce que l'oreille va sur le visage? L'oreille appartient au visage et le pied appartient au reste du corps. Encore bravo les enfants! Avant de nous quitter, je vous propose maintenant de chanter et de danser avec moi. Allons-y. 1, 2, 3, 4, tête, épaule, genou, pied, genou, pied, tête, épaule, genou, pied, genou, pied, les yeux, les oreilles et la bouche et le nez, tête, épaule, genou, pied, genou, pied, tête, épaule, genou, pied, genou, pied. Genou plié, les yeux, les oreilles et la
J'espère que vous vous êtes bien amusés pour cette première session du Learn and Play. Il est maintenant temps de nous dire au revoir avec cette petite chanson. C'est l'heure de se dire au revoir, dire au revoir, dire au revoir. C'est l'heure de se dire au revoir et à la prochaine fois. À la prochaine fois pour une nouvelle session du Learn and Play. Wow!